Got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yo les boys, alors nous voici pour une petite vidéo. La première vidéo de ma chaîne YouTube, j'avais plein d'idées. Je me disais, ma chaîne là je viens de la créer, mais il faut que je fasse une première vidéo. Donc, il faut commencer par quelque chose. Du coup, j'ai pensé à... j'ai plein de pères, autant faire une vidéo sur mes pères. Bon, après là je vais présenter en première partie mes paires récentes et en deuxième partie mes paires plus anciennes que j'ai saignées là. Bon, il y en a plein qui sont mortes, mais ça peut être pas mal. Donc je vais faire dans l'ordre des plus récentes aux plus anciennes, comme ça on va pas se perdre dans mes paires. Donc tout d'abord j'ai eu celle-ci, les Doc Martens Jadon à Noël. Enfin à Noël, je me les suis achetées moi-même après que l'argent que j'ai eu à Noël, parce que je les voulais depuis un an et demi. Ça faisait un an et demi que je les voulais, mais mon père ne les aimait pas en fait. Donc il m'a matrixé là, il les aimait pas du tout, il voulait que j'achète les simples, les normales, parce qu'il pensait que des paires à ce prix là, faut les acheter le plus simple possible pour les garder toute sa vie. Mais moi je kiffais trop celle là du coup j'ai acheté celle là elles sont trop belles, je les aime trop. Le problème c'est que je fais du 39, du coup ça fait des pieds énormes sur moi, mais bon après faut aimer quoi. Moi j'aime bien, il y en a qui aiment pas, libre à vous d'aimer ou de ne pas aimer. Donc voilà, ça c'est les dernières paires que j'ai eues. Bah je les ai reçues hier et voilà, j'ai direct porté parce que ça faisait un an et demi que je les attendais. Voilà, donc j'ai eu celle-là. Du coup, j'ai eu les fameuses Jordan 4 rétro en marron. Donc j'en voulais grave depuis longtemps, depuis bah, avant les grandes vacances de l'été dernier, enfin en gros avant l'été dernier. Et j'en voulais des blanches et bleues qui devaient sortir en novembre, je crois, ou en décembre. Mais elles sont pas sorties. Du coup bah, j'ai pas attendu les autres parce que je me suis dit ça va peut-être être compliqué de les cop sur les sites et tout, vu que souvent ça part vite et qu'il y en aura peut-être pas. Du coup j'ai pris celle-là, je crois que je les ai achetées en novembre. Et quand j'y suis allée, j'ai dû aller à Châtelet pour les trouver parce qu'il n'y en avait plus nulle part. Et c'était bah, les dernières, c'était du 39, donc j'étais saucée. Elles sont trop belles, je kiffe trop. Et en fait j'avais déjà les collimètres et tout, genre bref, avant d'acheter des paires je me fais tout le temps des tenues dans ma tête. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais voilà. Du coup, j'étais trop contente et j'étais trop pressée. Là, j'ai attendu 2 mois avant de pouvoir les porter. Donc là, je commence déjà à les saigner parce que les 2 mois, c'était trop long. Vu que je suis partie sur les Jordan, on va rester sur les Jordan. Donc, j'ai 4 paires, non, 3 paires, 3 paires de Jordan 1. Dont celle-ci, les Jordan 1 Gris Flyknit. Elles sont trop belles. Juste au départ j'étais pas trop fan des Flyknit, genre j'aimais pas trop. Mais celle-là quand je les ai essayées et tout, j'ai trouvé cool. Du coup bah j'ai pas vraiment d'histoire avec celle-là, mais voilà. En vrai je les porte pas assez, je trouve que je devrais les porter plus. Ça se voit elles sont nickel. Du coup voilà, mais vu que c'est bien, c'est gris et noir, ça passe avec tout. Genre avec ça, avec ma chemise là, ça passe très bien. Du coup voilà. Ensuite j'ai des Jordan comme ça, avec un zip devant. Alors en fait celle-là je les ai kiffées parce que je trouvais que ça faisait grave original comparé aux autres. Genre ça changeait. Mais le truc c'est, ce qui est bien c'est que je peux les mettre genre à l'école, au taf et tout. Parce que je me souviens quand j'ai taffé, je les ai portées. Ça passait avec tout quoi, genre c'était bien. Voilà j'ai celle-là, en plus il y a juste un tout petit peu de rouge. Du coup vu qu'elles sont noires et blanches là, avec la semelle blanche ça passe grave avec tout. En fait je fais grave attention à ça, genre les couleurs de mes paires et tout pour que ça aille avec mes habits. Parce qu'il faut savoir que je mets beaucoup 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 de noir. Du coup, ça va, tu vois. Mais j'aime bien avoir des paires noires pour mettre avec d'autres trucs, quand des trucs colorés. Vente, c'est encore des Jordan 1 avec les virgules. Je crois que c'est des Jordan 1 mid, parce que, par contre celle-là. Avec les virgules de différentes couleurs. Donc là, il y a rouge, jaune, vert et bleu. Alors celle-là, franchement, c'était grave un coup de chance et tout. J'avais déjà acheté mes premières Jordan 1 que je vais vous montrer après. Mais celle-là, je les ai vues et j'ai kiffé. Parce qu'en plus, j'étais en colo. Je faisais une colo à California Y. Et on était à Las Vegas. On avait été dans un mall et tout à Las Vegas. Du coup, on avait été faire les magasins. Et franchement, de base, je m'étais grave pas dit je vais acheter des paires.
parce que vas-y, le budget, voilà quoi. Mais je les ai vues et je me suis dit, obligée, je les achète, elles sont trop belles, surtout avec les virgules de couleurs différentes et noires. Genre, c'était parfait. Je les ai kiffées et celles-là, je les ai tellement portées, vraiment, je les porte pour tout. Je crois que c'est les paires que je porte le plus. À chaque fois que je sais pas quoi mettre, hop, je prends celle-là, je les mets. Première, genre. Genre, vraiment, je les porte tout le temps. Je ne m'arrête jamais de les porter, en fait. Voilà. Franchement, bon souvenir en plus, vu que c'était. Enfin, je les ai achetées dans un autre pays et tout. Même après, je les ai portées et tout. C'était grave cool. J'étais trop contente de les avoir trouvées. Après, Jordan 1. Donc là, c'est des hautes. Game Royale. Donc celle-là, c'est des limitées. Genre, grave galère pour les avoir et tout. Soit tu fais les raffles, soit tu. Tu dois être sur le site Nike là, à galérer pour les prendre. Et en fait, de base, j'en voulais des blanches. Je crois qu'on pouvait avoir facilement des blanches avec juste la virgule rouge. Et j'avais montré ça à mes potes, c'était pour mon anniversaire. Du coup, mes potes m'avaient demandé, ouais, t'aimerais bien quoi et tout. J'en avais montré ses paires. Et en fait, le truc, c'est qu'ils les ont cherchés partout, mais ils les ont pas trouvés. Du coup, ils m'ont donné des sous pour mon anniv pour que je m'achète des Jordan 1 parce que j'en voulais depuis hyper longtemps. Du coup, j'ai coup de chance, genre vraiment, même pas un mois après, je voyais des Jordan 1 qui sortent bleus comme ça. Alors, j'ai de base. J'avais pas beaucoup de bleus comme ça, genre c'était pas mon kiff. Je les vois, je dis oh elles sont trop belles et tout, nanana. J'avais pas fait de raffle parce que j'avais pas vu avant. Du coup je me suis connectée sur le site internet, j'ai galéré. Au final, vu que moi bah 39 c'était dans les enfants, et bah j'ai réussi à les avoir genre en me reconnectant. Genre ça commençait à 9h en me reconnectant à 10h, alors que normalement on devait plus rien avoir. J'ai réussi à les avoir. J'étais trop saucée, en plus je les ai payé genre quoi 120 balles. C'était mes premières Jordan 1 et en fait je crois que c'est bah, la paire que je préfère de toutes les paires qui existent. Genre je vais kiffer les Jordan 1 et en plus j'ai trop envie d'agrandir ma collection de Jordan. En plus mon oncle il a une collection et j'ai grand envie de faire comme lui, d'avoir plein de Jordan parce que j'aime trop. Ensuite j'ai eu, on va partir sur les Air Force parce que j'ai plusieurs paires de Air Force, je crois j'en ai 4, mais de récentes j'en ai que 2. J'ai celle-là, les Air Force NBA, je crois que ça se voit là. NBA, bah je les aimais bien, elles étaient noires. J'ai un problème avec le noir. Elles étaient noires avec la virgule comme ça, grise. Je trouvais ça trop beau, genre voilà, vous entendez, vous voyez ce que c'est. Simple quoi, elles vont bien et tout, noir, gris, blanc, ça passe quoi. Et je voulais forcément des Air Force, mais je voulais pas des blanches ni des noires parce que je sais pas, ça me saoulait, tout le monde les a. C'est les basiques quoi, même si les blanches elles sont très belles, elles passent avec tout. Vas-y, je voulais des différentes. Du coup, j'ai eu celle-là. Ensuite, je les aime trop. C'est des Air Force One Flyknit couleur un peu baby blue. Et franchement, au début j'avais tellement du mal à les porter, je les ai achetées parce que j'ai trouvé trop belles, mais je savais vraiment pas avec quoi les mettre. Mais là, maintenant je sais tellement avec quoi les mettre et faut trop que je les porte plus quoi, parce qu'elles sont trop belles. Mais regardez la couleur en fait, genre elles sont magnifiques. Enfin franchement j'ai kiffé, elles sont trop belles, elles sont vraiment trop belles. Voilà, après c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Et mon père a les mêmes que moi, du coup on est cordat. Là c'est une dernière paire dans mes récentes, c'est des Air Max 97 avec un motif à carreaux, donc rouge là avec du vert un peu et tout, et là jaune. Et franchement, je les aime trop. Et c'est dans ma wishlist bah, pour mon anniversaire de. Bah, pour mes 18 ans. Et c'est mon copain qui me les a achetés. Du coup, j'étais grave choquée qu'il sache et tout. Mais en fait, c'est mes copines qui ont fait passer l'info. Ces petites cachotières là. Elles ont fait passer l'info. Du coup, il m'a acheté celle-là. Alors en plus, elle coûte super cher. Franchement. Moi, je crois que je ne les serais pas payées quoi. Mais du coup, j'étais trop heureuse quand je les ai vues. J'ai fait, mais tu rigoles en fait? Genre elles sont trop belles et elles changent trop bah, des autres quoi. Des blanches que tout le monde a aussi, des noires. Après moi je dis ça mais je les ai en noir aussi. En toutes noires. Mais en plus par contre celles-là elles sont plus dures à porter, ça c'est un peu chiant. Faut mettre avec du rouge ou avec du jaune sinon. Enfin moi j'aime pas avec les autres trucs quoi. Du coup voilà, elles sont trop belles. Les dernières paires c'est les mêmes, des Air Max 97 en toutes noires. Parce que je voulais encore des paires toutes noires qui allaient avec tout. Voilà parce que. Ça sert toujours en fait. Du coup voilà, c'est vraiment les basiques quoi, des toutes noires. Voilà, avec un peu de rouge là, mais sinon c'est les basiques. Du coup voilà, en vrai j'ai rien à dire sur celle-là de plus, parce que bah elles sont grave simples et je pense que vous les avez déjà vues. Du coup, voilà. Bah c'est bon, hein, je crois qu'on a fini.
J'espère que bah, ma vidéo vous a plu, ma première vidéo pour ma nouvelle chaîne, parce que à l'ancienne, j'avais déjà une chaîne avec Salomé, big up à Salomé. Et du coup, bah, que vous allez lâcher un petit like, un petit commentaire pour donner de la force, pour que je revienne avec mes prochaines vidéos et toutes mes idées là, que j'ai déjà, parce que franchement là, je suis déter, j'ai plein d'idées. Et donc dans les prochaines vidéos que je sortirai, je ferai ma deuxième partie sur les paires plus anciennes que j'ai, parce que là, ça va être trop long de mettre toutes mes paires dans une seule vidéo, parce que oui, quand je vous dis que j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. On se retrouve bientôt, bye! Fais ses bails, spray dans soum soum. Chica, ce qu'elle veut, c'est que Chico s'engage. Mais Chico n'a pas le temps, donc Chico bye bye.